le mouvement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attendre dans l'espoir de voir effectivement une certaine ouverture à partir du soutien d'une faction de l'armée. Non, elle continue sa marche en quelque sorte. Quoi. Et ça, c'est dans ce dynamisme qu'éventuellement les militaires, une partie de ces militaires vont laisser et lâcher effectivement le pouvoir et venir vers le peuple. Et donc la logique d'aujourd'hui, c'est de continuer là, sans aucun, si vous voulez, aucun doute dans son comportement. Il y a une détermination là. Plus de 257 personnes ont été tuées par les forces de sécurité de la République islamique. Nous sommes là pour demander à la communauté. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, au minimum 257 personnes ont été tuées, dont 30 enfants. Et je pense que les gens vont continuer à manifester. Et là, on n'a pas l'impression encore aujourd'hui que les manifestations, elles diminuaient. Et en fait, si vous voulez, là, c'est un mouvement sans fin, quoi. Parce que c'est ce que disent les Iraniens en Iran, parce que nous, on ne fait que relayer leur voix. Ce qu'ils disent là-bas, c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre, en fait. Et donc, ils iront jusqu'au bout.